Choisis, c'est choisi. Nous, on a choisi Mr. Léo ce soir. Yes, Mr. Léo. What a great bonsoir. Bonsoir. And Où est le DJ qui a commandé? C'est son truc, quoi. Tout le monde qui vient du Nord-Ouest connaît ça. Oui. C'est une façon de saluer les gens, surtout dans les villages. Quand on passe pour aller au champ, au lieu de commencer à dire, il faut juste dire où est, si la personne répond, tu sens que la personne est au champ. Donc, pour moi, c'est une façon de saluer mon audience avant d'introduire mon show. On pensait que tu faisais ça, que c'était ton truc que tu as créé, quoi, ton petit cri de guerre. Oui, c'est ça. Mais, ça a une signification particulière. Dans notre village, ici, on a notre. C'est connu, ça. Alors, faut répondre. Mais la majorité. Il n'a pas répondu. C'est comment? On est là. On est là. Voilà. On a cru que tu avais oublié parce que ça fait longtemps quand même. Non, je n'ai pas oublié, c'est juste que j'étais. Et elle a raison. Le vide Didier dans la place, qu'on laisse. Non, c'est ça dans les champs. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'on a envie de demander qu'est-ce que tu faisais depuis des mois. Tu étais où? J'étais au studio. C'est vrai qu'on t'écoute, mais on ne te voit pas. Ouais. Qui a dit ça? On t'écoute beaucoup. On entend ce que tu fais, mais on ne te voit plus comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Comme avant? Oui. Moi, je peux expliquer. Maintenant, je suis plus le temps passe, je suis plus concentré. Et j'essaie de focus parfois, surtout dernièrement. Ça fait 2 ans que même mes amis se plaignent. Que je ne cherche pas les gens. Je peux facilement faire 3 mois chez moi. Je ne sors pas parce que je suis en train de travailler sur mes projets et tout. En fait, c'est le moment de la transformation et ici, il n'y a pas des erreurs, quoi. Ouais. Le français, là, me choque, hein. Non, il a changé. Mais c'est Mister Léo, déjà, là. Je pense que tu sous-estimes. Mon nom est Watis. Si quelqu'un peut voir les premières interviews et aujourd'hui, on va comprendre. Alors, moi, j'ai envie de comprendre, hein, parce qu'on voit bien que tu as changé de direction quand même artistique. Hein. Ouais. On a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Explique-nous. Si je dois vraiment donner les détails, ça non. peut être un bon, livre. Vas-y, comme tu veux. Comment je peux expliquer? Je pense que, pas seulement dans la musique, chaque métier, lorsque tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense qu'il y a cette voix qui commence à te parler. Il faut plus. Il faut changer quelque chose. Mm-hmm. Il faut ça. Et je pense juste que la plupart des temps, la majorité des artistes n'écoutent pas. D'accord. Parce que cette voix parle à tout le monde. Et cette voix les parle. Mm-hmm. Mais je pense que la majorité des artistes ont peur de changer le procédé. C'est vrai, les gens n'ont pas peur de changement. Oui. Ils ont peur de ce qu'il faut pour changer. Pour changer. Ouais. Je pense. Et toi, comment tu as traversé ça? C'est-à-dire, c'est comme tu es en train de marcher et subitement tu veux courir. Tu mets un petit pause, tu prends l'élan pour courir. Dans une carrière, ça peut facilement être 1 an. Des langues, parce qu'il faut maintenant restructurer, il faut changer. Il y a quelque part où la vision commence à prendre une autre dimension. Et là, tout est bien fait, tout est calculé. Ça peut commencer à chuter financièrement. Les gens vont résister parce qu'ils ont l'habitude d'écouter A, ils vont résister B. Tout ça, ça vient avec tellement de stress. Ouais. Et il faut beaucoup de boulot. Et il y a peu de gens qui sont prêts. À passer cette étape. Ce qu'ils craignent surtout, c'est le public. Parce que quoi qu'on fasse, quoi que l'artiste fasse, il le propose à quelqu'un. Et en même temps, pour finalement répondre à ta question, j'ai constaté que au Cameroun, ça c'est juste mon opinion, oui. si j'ai le droit, on a un système qui laisse les fans décider ce que l'artiste doit donner. Oui, c'est ça.
Or, ça doit être le contraire. L'inverse. Je pense que les fans existent pour nous découvrir, mais on a un système qui dit, voici ce que tu dois faire. Donc, tu peux facilement faire 10 ans pour chercher des hits et jamais faire ce que tu veux faire. Ce que tu veux en tant qu'artiste. Jamais montrer ce que tu as dedans. Tu peux finir ta carrière sans finalement montrer l'artiste que tu es. Exactement. Si tu n'écoutes que le public, par exemple. C'est très possible au Cameroun. Ouais. Tu peux avoir des hits sans faire carrière. D'accord. Mais ça c'est dû. Tu as presque répondu à ma question. Oui, il a presque répondu, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a le déclic, le petit déclic, on veut vraiment le détail. La question qu'elle a grande, c'est qu'est-ce qui t'a fait changer, clairement. On sait qu'il y a la voix qui t'a parlé. Comment tu choisis le cap aussi, hein? Oui, parce qu'on sait qu'il y a la voix qui t'a parlé. Mais peut-être qu'elle te parle depuis, mais c'est seulement maintenant que tu choisis. Ouais, pourquoi? En fait, vous êtes en train de voir le changement maintenant. Ah, alors qu'il était déjà là. Que j'ai commencé. Mm-hmm. J'ai commencé à constater. Il faut d'abord que toi, tu constates. Ouais. Avant même de te dire qu'il y a une voix forte qui te parle. Qui te parle. Tu vois. Ah, d'accord. Et j'ai constaté qu'à un niveau... J'étais vraiment au top. Je marchais partout. On remplissait les stades. On a rempli les stades au Burkina, moi et à Afad, au moins trois fois. Ouais. Genre, on finit. Tout le monde est content. Les organisateurs sont extrêmement contents. Ils ont fait l'air. La recette, c'est sûr. Mais mon manager me trouve à l'hôtel en train de pleurer. Je suis triste. Tu vois. Ouais. Et c'est un truc qui est venu naturel. C'est comme. Quand on dit à les gens qui deviennent prêtres, j'ai un vrai dit, c'est comme s'il y a un truc qui t'attire, tu vois. Il y a un truc qui te passe de dedans et c'est profond et c'est fort, tu vois. Fort. Mm-hmm. J'ai constaté qu'à un niveau, j'étais plus à l'aise, même quand je remplissais les salles. Je suis pas allé quelque part, j'ai rempli une salle, tout va bien. Mais dans ma tête, je me dis, c'est pas ce que je veux en réalité. Le but, c'est pas seulement de faire les hits et marcher, faire des tournées. À un niveau, il y a l'artiste qui a commencé à me donner les coups de poing dedans pour sortir. Mm-hmm. Et si je n'écoutais pas, c'est ça qui allait plutôt me mettre dans la dépression, d'accord. en fait. D'accord, beaucoup de d'accord. gens ne comprendront pas ce qui a changé entre le Mister Léo que tu étais, même s'ils le voient, et le Mister Léo de maintenant. En fait, lui, il dit qu'il n'a pas changé. Je peux facilement dire. Mais il a transformé. C'est lui, maintenant. En fait, c'est le vrai Mister Léo. C'est le même cuisinier. C'est juste un pas différent. On est dans ce domaine. Il dit qu'il n'a pas changé, c'est lui. Mais c'est une autre facette de lui. En fait, la première partie de moi, c'est toujours moi. Voilà pourquoi je voulais donner choisi. C'est pour vous dire que cette partie de moi, c'est dans moi et ça restera à vie. Ça restera, oui. Mais mon truc, c'est comment vous allez savoir si je suis Mister Léo, en même temps Bob Marley, en même temps Burna Boy, en même temps Richard Bonin, en même temps Wes Maliko, comment vous allez savoir? Je dois vous montrer. Tant qu'il reste dans ce que tu sais là, mais tu ne sauras jamais. Même si vous résistez, je dois vous montrer, sinon je n'arriverai jamais à vous montrer. Ah, d'accord. Je ne peux pas attendre votre permission parce que je dois vous montrer, même si c'est avec la force. Et puis, je veux un peu la transformation. Hein. Ouais. Avec Steve, avec Bertrand, Bernard Steve Honcam, j'ai eu la chance d'écouter quelques chansons de l'album pendant que tu travaillais encore. Mmh. Et je disais, hey, je demande, et quand j'ai vu le clip de G, je me suis dit, est-ce que cette transformation-là est liée à une initiation dans la vraie vie? Parce que dans G, on a l'impression qu'on t'initie à quelque chose, tu sors de l'eau. Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas être que comme ça sans traverser. G est sorti, ça ne fait même pas un an. Mais cette transformation a commencé, ça fait 3 ans. D'accord. Et ça commence toujours mentalement. C'est dans sa tête, c'est psychologique plutôt. C'est-à-dire que j'ai fait 5 albums complets pour chercher l'album Lion of Africa. Wow, ok. 5 albums qui ne sont pas sortis. Moi, que vous ne connaissez pas. J'ai fait un album reggae complet. Peut-être, je pense, 14 ou 15 titres. Tu finis, j'écoute, je réécoute, je réécoute, je me dis ok, ça c'est bon, mais c'est trop avancé. Ouais. Je peux facilement utiliser dans 4-5 ans. Puis je me dis ok, il faut que je descends un peu. Ouais. J'avais trop de rage. Ouais. Je fais encore un album afro. Je découvre que c'est pas vraiment ce que je veux. C'est comme quand je cherchais Igo Beta, alors que j'avais déjà fait C'est Faux, j'avais déjà fait Femme. Voilà. Mais je cherchais Igo Beta. Il fallait pas autre chose, il fallait Igo Beta.
On sait presque la même chose. Prendre... En fait, pour moi, c'est du déjà vu. Bon, en fait, moi, ma question, c'est que est-ce que dans le physique, pour atteindre ce niveau spirituel, est-ce que dans le physique, on fait des choses? Je veux dire, je sais pas. On est entré dans la religion. Savoir si tu es entré dans un, je sais pas, ça, une religion, voilà. Un groupe de réflexion. Voilà, that's it. Qu'est-ce qui qu'est-ce que dans le réel que ton esprit est... je pense pas que tu peux faire ce genre de changement à 100% sans faire les changements mentaux. Ouais. Si on parle des changements mentaux. Est-ce que tu l'as fait tout seul? Est-ce que tu as eu des coachs? Est-ce que tu as voilà. eu des voilà. Thank you very much. Coach, les mentors, les mentors, voilà, les initiateurs, les... Vrai dit, c'est rare de trouver ça au Cameroun. Ah, d'accord. On n'a même pas les écoles de formation. Par exemple, je suis rentré à l'école de musique. Mmh. Je suis à l'école de musique, ça fait au moins 8 mois. Ici au Cameroun. Mais c'est en ligne, au Sud-Afrique, juste pour bien apprendre la théorie. Parce qu'il y a plein de choses que je faisais, que je ne maîtrise pas, mais je le fais juste comme ça, parce comme que ça, c'est pratique à un moment. Oh, mais c'est bien. Mais ça. Demain, je vais me trouver au studio avec Richard Bonin et on doit parler musique. C'est ça. Et moi, je suis capable de chercher ce qui manque pour remplir la boîte pendant que je voyage. C'est incroyable. À t'écouter, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de recherches de toi-même, mais ce qu'on oublie, c'est qu'en plus d'être artiste, tu es producteur. Voilà. Tu as des poulains, tu as des gens sous la main. Voilà. Comment on peut trouver ce qui est bon pour eux quand on ne sait pas ce qui est bon pour soi? Exactement. Exactement. Mm-hmm. Donc, c'est une question. Comment tu arrivais à trouver ce qu'il faut pour eux en tant que producteur? La différence, c'est. J'étais toujours si mature, j'ai toujours pensé comme ça. C'est juste que c'est un process. Et pour moi, s'il faut chercher un artiste dans le milieu urbain, ok, c'est facile pour moi, c'est déjà ce que je fais. Oui, c'est facile. Pendant 8 mois. Voilà, pour lui, la difficulté. Mais s'il faut chercher un artiste dans ce que je fais maintenant, je pense qu'il me faut cet voyage pour pouvoir bien reconnaître quand je vois. Donc pour moi, je suis en train de faire un changement. Et en même temps, c'est un peu comme l'école. Parce que c'est aussi nouveau pour moi, mais je n'ai pas peur. J'aime les défis, les challenges. Et puis, justement, quand on parle d'artiste, tu as présenté une nouvelle signature aujourd'hui. Mais c'est sympa. Une nouvelle signature, c'est que tu t'es aussi défait d'une ancienne signature qui était Kameni. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux pour que vous vous sépariez? Kameni, même Gomez. Gomez aussi, c'est vrai. En fait, pour moi, c'est simple. Parce que j'ai fait 15 ans avec Salatiel, je ne pense pas que c'est obligé que tout le monde fait 15 ans avec moi. Mm-hmm. On dit en anglais, learn to say it is what it is. Mm-hmm. Voilà la situation. On ne se tue pas, on apprend et on avance. Je souhaite bonne chance où elle est. Mm-hmm. Je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème véritable. D'abord, c'était le but, c'est-à-dire c'était le plan. Ça va peut-être vous surprendre. Je ne propose pas. Je veux pas. Il ne faut pas que les producteurs fassent ce que j'ai fait. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Je ne conseille pas qu'on fait ça. Mais c'était moi. Quand j'ai commencé avec Lion Production, le but, ce n'était pas de faire business. D'accord. Non. Mm-hmm. Le but, c'était de faire à quelqu'un ce qu'on m'a. Ah ouais, exactement. Je voulais à tout prix. De transmettre un peu ce que tu as reçu. Ouais, je sais comment je me sens. J'ai réussi dans la musique, pas forcément avec la famille. Mais si je suis qui je suis, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait tellement de sacrifices. Donc tu as voulu tendre la main Pour moi, je me dis, je ne peux pas me reposer sans faire la même chose à quelqu'un. Et le choix, pour commencer, c'était Kameni. Et voilà pourquoi, pendant 5 ans, on a signé un contrat. L'année passée, ce n'est que l'année passée qu'on a signé un contrat. Et c'était clair. J'ai eu une discussion avec elle dès qu'on a commencé. Je vais faire tout et tout. Je vais devenir star. Je vais dépenser. Je vais utiliser tous mes réseaux, tout. Composer tout ce qu'il faut. On ne va pas signer un contrat. Mm-hmm. Le jour que tu vas cartonner, quand tu te sens... Comme si tu es un artiste, tu vas décider, tu décideras si tu veux rester ou partir. Ou pas. Ah, d'accord. Bon, si elle a décidé de partir, ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais je sens un peu de peine quand même. Tu peux l'avouer. Il n'a pas de peine. C'est sa façon de s'exprimer. C'est ma façon de m'exprimer. Il est naturel, il est comme ça. Il me faut rire sur ce plateau. Voilà. On sent ta peine, Mister Léo. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je suis plutôt content. D'accord. Je suis content parce que.
Ah, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. C'est ce qu'on lui a fait hier. D'abord, il a réussi. J'ai réussi à en faire. Voilà. Et en même temps, chaque chose vient avec son avantage et son inconvénient. L'espace qu'elle a donné, ça m'a permis de me concentrer chez moi. Il y a toujours un avantage quelque part. Oui. Et c'est comme ça que là, moi, je regarde la vie. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir de regrets. Et puis, il y a Monsieur Sympa. Monsieur Sympa est là maintenant. Alors, tu donnes les derniers concerts de ton tour, hein, du oui, national. Oui, oui. Ce sera vendredi, après-demain, et samedi à l'IFC de Douala. Mais moi, j'aimerais comprendre. À partir de 19h. À partir de 19h. J'insiste sur l'heure parce que la moitié des gens sont venus après le spectacle. Ils ont dit que c'était. Ils ont confiné le côté. Non, alors, moi, j'ai envie de comprendre. Tu t'es fait accompagner, on le sait, avec Pascal Bantou, oui. Tony Méfé et madame. On veut comprendre comment ça s'est... Qu'est-ce qui... Attends. C'est souvent rare. C'est vrai que tu as changé de cap. Mais comment tu t'es retrouvé avec Pascal Bantou? Comment ça s'est passé? Un jour, un vieux m'a dit... Qui? Un vieux. Ouais, il m'a dit, si, quand l'élève est prêt, les professeurs... Ça arrive. Ouais, c'est-à-dire, tu peux facilement avoir des gens à côté de toi qui peuvent vraiment t'aider dans ce que tu fais, oui. Mais tu ne vas jamais savoir jusqu'au jour où tu te demandes. Tu te demandes, tu dis, je vais y aller, tu es. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à avoir toutes ces transformations dans ma tête, plus le temps passe, je commence à poser des questions, je commence à me renseigner, et plus le temps passe, je tombe sur des gens qui, tu vois. Et c'est comme ça. Et tu dois être vraiment ouvert. C'est-à-dire, you have to have a high teachability index. Je peux dire, tu dois être le genre de personne qui peut apprendre. Tu connais trop, tu auras 1000 personnes à côté de toi qui peuvent t'aider, mais tu n'auras personne. Eh bien, merci, Mister Léo. C'est notre invité. Et le concert après-demain et samedi, 19h, s'il vous plaît, 19h. À l'IFC de Douala. Venez voir cette transformation d'artiste. C'est très important. Et faites-vous votre idée. On n'oublie pas qu'il va faire ensuite le tour un peu de l'Europe. Voilà, après, c'est important de le dire, à partir du 4 juin. Il y a eu pas mal de messages pour toi, Mister Léo. J'espère que tu auras le temps de répondre sur notre page. Oui, sur notre page. Je vais prendre une heure. Tu vas leur répondre parce qu'ils ont posé beaucoup de questions. Ouais. Merci, Mister Léo. Merci. On vous souhaite beaucoup de courage. On croise les doigts pour que ça marche à travers le monde.